إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب نعم. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah, comme prévu, dans l'explication que nous donne Cheikh Abd al-Razak al-Badr, les causes de la multiplication du salaire et de la récompense. Voyez, donc, nous étions arrivés à la sincérité, la cause de multiplication qu'est la sincérité dans les œuvres. La cause de la multiplication par rapport à la sincérité, la sincérité est une cause pour apporter les bénédictions et multiplier, immensifier la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La multiplication وتضاعف الأجور إن وإن كان صورة العمل واحدة. Donc le cheikh il nous dit il y a une énorme multiplication, hein, la récompense est multipliée malgré que l'œuvre ne fait qu'une, malgré que l'œuvre n'est qu'une. Donc c'est en fonction de la sincérité que comportera le cœur de la personne envers Allah, bien entendu. Donc, il va donner un exemple, il va expliquer cela, le shir. C'est-à-dire en fait que l'œuvre, elle ne fait qu'une. L'œuvre, quelqu'un qui fait la salat, quelqu'un qui fait la zakat, quelqu'un qui fait le hajj, quelqu'un. L'œuvre, elle ne fait qu'une par rapport aux personnes. Ils font la même œuvre. Ils sont en train de faire la même œuvre. Le shir, il va donner l'exemple de gens qui font la salat. Des gens qui font la salat. Les deux, ils sont deux personnes qui font la salat. Les deux, ils sont au premier rang. Mais la multiplication de la récompense n'est pas la même. La récompense d'une personne à une autre n'est pas la même. Et là, le cheikh, il nous dit en fonction de la sincérité. En fonction de la sincérité. Il va donner un autre dalil, le cheikh. ولهذا كما سيأتي عند الشيخ رحمه الله فتضاعف الأجور وإن كانت صورة العمل واحدة حسب مقام في قلوب أصحابها من الإخلاص لله جل وعلا. حتى كلمة التوحيد. Donc, le cheikh, là, j'ai lu en arabe ce qu'on a expliqué précédemment. Ensuite, le cheikh il nous dit jusqu'à la parole et même au point la parole de l'unicité du tawhid qui est la ilaha illallah. C'est-à-dire que les gens sont différents dans, bien entendu dans la sincérité, mais dans la multiplication de la récompense. Alors, le dalil qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Donc le cheikh il nous dit que ça c'est dans un hadith du prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il a dit le prophète alayhi salatu salam, celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité à part Allah en vérité, hein,
tout en étant sincère dans son cœur. Ça, c'est dans un hadith, ça entrera au paradis. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, an-nas yatafawatuna fi kalimat la ilaha illallah indama yaqulunaha. Donc le cheikh, il nous dit, les gens se démarquent les uns des autres, hein, c'est-à-dire que les gens sont différents les uns des autres lorsqu'ils disent la ilaha illallah. Hein, lorsqu'ils disent la ilaha illallah. Pourtant, c'est une parole que deux personnes peuvent prononcer, on ne voit pas la différence. Hein. On ne voit pas la différence. Naam. وتتفاوت منازلهم فيها وهذا يبين لك حديث البطاقة الذي قد يشكل معناه على بعض الناس قال عليه الصلاة والسلام. Donc ensuite il nous dit le shir les gens hein, se démarquent les uns des autres en degré hein, par rapport à cette kalimat la ilaha illallah, et là vous allez voir le dalil. Vous allez voir le dalil, c'est-à-dire la preuve. La preuve du kitab, et wa sunna. Là, ce sera dans la sunna. Wa hada yubayyin laka hadith, et ceci est éclairci, hein, vient être éclairci dans le hadith de la carte. Donc, dans le hadith de la carte, vous allez comprendre quand on va citer le hadith. Dans le hadith, elle bitaqa la carte. Dont le sens hein, de ce hadith, hein, dont le sens de ce hadith est problématique pour certaines personnes. Ce hadith, il est problématique pour certaines personnes. Qala Ali salatu wassalam. Donc le hadith, c'est quoi? Le prophète Ali salatu wassalam a dit. Afwan. Yatsah bi rajulin min ummati ala ru'usil khala'iq. Khala'iq, afwan. Ala ru'usil khala'iq. يوم القيامة فينشر له 99 سجلا وكل سجل منها مد البصر فيقال له أتنكر من ذلك شيء فيقول لا يا رب فيقال له هل عندك حسنة فيهب الرجل يقول لا فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله فيقول الرجل يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله. طيب. Donc le hadith en français ça donne: un homme de ma communauté sera appelé à comparaître devant toutes les sortes de créatures, bien entendu le jour de la résurrection. Il lui sera montrer alors 99 registres, chacun des registres demandera un très long regard. Taïb, on va lui ramener ces registres, et dans ces registres, il y aura des péchés à perte de vue. Naham. On lui dira à cet homme, tu réfutes cela? Il dira non au Seigneur. Il lui sera demandé, est-ce que tu as des hasanettes? Il dira non. Il lui sera sorti une carte inscrite dessus. Je témoigne qu'il n'y a de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول الرجل l'homme dira ô Seigneur qu'est-ce que cette carte avec toutes ces PC ces péchés ces manuscrits hein, que j'ai ya rab wa ma hadi albitaqa ma hadi sajalat bitaqa wahida avec tous ces péchés hein, une seule carte. Et c'est cette carte qui fera la balance, sur les plateaux de la balance. Hein.
le jour de la résurrection, elle l'emportera sur ses péchés. Qala ma hadi al bitaqa ma hadi sajalat. Qala innaka la tuzlam. Il lui sera dit, tu ne seras pas, tu ne subiras pas d'injustice. La carte sera posée sur la balance et les registres des péchés seront posés sur l'autre côté de la balance. وهذا من دلائل أن دلائل أن الميزان الذي ينصب يوم القيامة له كفتان. Donc, Cheikh, il nous ramène une faïda, une parole profitable. C'est que dans ce hadith, nous avons la preuve aussi que il y aura une balance le jour de la résurrection et que les péchés et les bonnes œuvres, muhim, les œuvres seront mesurées. Hein. Le jour de la résurrection, et qu'il y aura deux plateaux. Elles seront posées sur deux plateaux. Un plateau où on mettra les hasanat, les bonnes œuvres, et dans l'autre plateau, et un autre où les péchés seront, les mauvaises œuvres, hein, seront posées. Ensuite, Cheikh nous apporte le dalil de cette faïda, cette parole profitable. Et ce i'tiqad, c'est-à-dire cette croyance des gens de la sunna, c'est Sourate al-Anbiya, les prophètes, verset 47, qui nous dit وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. En français, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. طيب. فوضعت البطاقة في كفة وسجلات في كفة وثقلت البطاقة وطشت السجلات. Donc en gros, hein, le cheikh après, il nous dit à la fin du hadith, il nous dit que la carte où il y avait marqué la ilaha illallah, et elle a été posée sur un plateau, et les registres de péché ont été posés sur un autre plateau, et c'est la carte où il y a marqué le tawhid, la ilaha illallah, qui l'emporte. Alors, ce n'est pas fini, le shirk va nous expliquer cela. Ma sabab hada thaql. Donc, quelle est la cause de cette lourdeur? De la lourdeur de, bien entendu, la carte où il y est inscrit la ilaha illallah. مع أنه دلت النصوص أخرى أن هناك من ممن يقول لا إله إلا الله وهو من أهل التوحيد يدخل النار بسبب ذنوبه ويعذب من في النار وقتا وأمدا بسبب ذنوبه. طيب, alors juste avant de donner cette explication, de continuer l'explication, juste une petite parenthèse rapidement, pour pas, au cas où il y a des gens qui pourraient se poser la question, comme quoi je fais la lecture en arabe, etc. C'est parce que dans mon mode d'enseignement, je souhaite, on pourrait parler que en français, hein, mais dans mon mode d'enseignement, je souhaite motiver les gens à apprendre la langue arabe. Car les savants disent, pour ceux qui en ont la capacité, c'est une obligation. Car l'apprentissage de la langue arabe mène à la compréhension du kitab wa sunna. Donc, et lorsqu'on entend des doulous en français, voilà, dans notre langue, on apprend notre religion dans notre langue, et bien lorsqu'il y a beaucoup de langues arabes, il y a de la langue arabe, ça motive. Ça motive. Voyez, donc voilà, c'est une de mes raisons. C'est ma raison. Tayyib. Donc nous continuons l'explication alors du hadith. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, il nous dit, quelle est la cause de cette lourdeur? Quelle est la cause de la lourdeur de la carte? Ma annahu. Tout en sachant qu'il nous est indiqué dans des textes, hein, Qur'an ou As-Sunnah bien entendu, dans d'autres textes, qu'il y aura des gens qui disent « La ilaha illallah », des gens du tawhid, de l'unicité, et qui entreront en enfer par la cause de leurs péchés et qui seront châtiés dans le feu temporairement par la cause de leurs péchés. وهذا عليه شواهد ودلائل كثيرة. Et cela, il y a des témoignages et de nombreuses preuves sur cela. ومنها قول علي صلى الله عليه وسلم قول علي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيح. Et parmi les preuves à cela, il y a la parole du prophète علي صلى الله عليه وسلم dans le recueil authentique.
Où le messager d'Allah dit Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi adna mithqala dharratin min al-iman. Où il sera demandé de sortir le jour de la résurrection de l'enfer celui qui dit la ilaha illallah et qui a dans son cœur un atome de foi, un petit atome de foi. Donc ça c'est connu. Et juste une parenthèse aussi, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna, de ceux qui suivent le Kitab ou la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ça fait partie de la croyance. Et c'est très 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 important. C'est très 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 important, c'est que chez les gens de la Sunna, avec les preuves d'ailleurs, on est en train de les apporter ici, hein, quelques preuves, c'est que les gens de la Sunna ont la croyance que il y aura des gens, les gens du Tawhid qui auront fait des péchés, etc., des désobéissances, etc. Selon la volonté d'Allah, Allah il peut directement ne pas faire goûter en enfer directement au paradis, pardonne, et à la Mayasha, qui il souhaite, il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah le décide par sa volonté, il y aura des gens du Tawhid qui goûteront à la purification, qui iront en enfer. Mais bien entendu, on dit, les gens de la Sunna ont la croyance que les muwahidines, les unificateurs, ceux qui ont le tawhid, ne vont pas en enfer éternellement. Ne vont pas en enfer éternellement, bien entendu, puisqu'ils ne sont pas mécréants, mais qu'ils se sont entachés de désobéissance, de péché. Voyez, donc, ce sera un passage, un séjour en enfer temporaire. Voilà. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Contrairement aux Khawarij, aux Takfiriyin, hein, qui sont bien connus, hein, qui sont une secte égarée, comme Daesh, tout ça et tout, hein, Al-Qaïda, tout ça et tout, qui eux, dans leur croyance, disent que ceux qui ont fait des péchés, qui ont bu de l'alcool, qui ont fait la fornication, qui ont tout, voilà, ceux qui font des péchés, ils vont en enfer éternellement. Et ça, ce n'est pas. Donc j'ai fait une parenthèse, hein, c'est pas Cheikh Abdelrazak qui dit ça, c'est juste une parenthèse, mais ce sont tous les ulama des gens de la Sunna. Et du consensus, le sunnati wal jama'a, tous les ulamas de la sunna, hein, le sunnati wal jama'a, ils ont cette croyance-là. Ils ont cette croyance-là. Tandis que les khawarij, eux, disent que non, qui que ce soit qui fait des péchés, ben, il va en enfer éternellement. Donc on va juste faire une petite réplique aux khawarij, rapidement, avant de reprendre. Une réplique à ça, parce que nous, on est, les gens de la sunna sont les gens qui ramènent, vous voyez bien, Cheikh Abdel Razak, قال الله قال الرسول. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il apporte les preuves. Vous voyez, ben nous, on va, inshallah, on va apporter les preuves. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, écoutez bien, dans le Coran, il nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, les ulamas nous disent, il y a plusieurs répliques hein, dans ce verset, hein, mais je n'ai pas le temps de tout donner toutes les répliques, et il y a des répliques à plusieurs groupes dans ce verset. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Khawarij ici. Alors, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, à part cela, il pardonne à qui il veut, ceci est une preuve qu'Allah pardonne les péchés. C'est-à-dire, c'est une preuve, à part le shirk, Allah, il pardonne les péchés. Taïb. Donc ceci est une réplique au Khawarij, on ne peut pas dire que celui qui fait des péchés va en enfer éternellement. Donc, alors, Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidhahullah, nous dit, donc nous savons qu'il y a des gens, le jour de la résurrection, par rapport au hadith qui est cité ici, dans le recueil authentique, hadith al-ladhi fi sahih, où Allah dira, demandera de sortir des gens qui sont en enfer et qui disent la ilaha illallah et qui ont dans leur cœur un atome de foi. Donc, Cheikh Darazak nous dit idan hunak min ahli min ahl la ilaha illallah. Donc, il y a des gens qui disent la ilaha illallah, ils font partie de ceux qui disent la ilaha illallah, ce sont des gens du Tawhid. Et ils entreront en enfer par la cause de leur péché, désobéissance. Wa sahib hadal bitaqa, thaqalat, pardon, bitaqa. Et malgré cela, celui
que nous avons cité dans le hadith précédent, l'homme de la carte, hein, l'homme à la carte de la ilaha illallah, sa carte, elle a été, son la ilaha illallah, il a été très pesant, très lourd. Alors le shir, écoutez bien, c'est ici que ça fait toute la différence. Quelle est la différence en fait? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la différence entre lui qui dit la ilaha illallah, il a une carte, et hop, ça a fait la balance, et les autres, ils disent la ilaha illallah, ils vont quand même en enfer. Alors le shir, il nous dit, idhan hadala usabab, il nous dit, alors, cela a une cause. On voit bien que son la ilaha illallah, la récompense à lui, l'homme de la carte, elle est multipliée. Et nous, c'est ce qu'on recherche dans ce dors ici. Dans ce cours ici, c'est le cours, il est basé sur ça, la multiplication. Alors cela a une cause. Hada thaqalla ou sabab. Il nous dit cette lourdeur, elle a une cause. Yadullu ala anna al-a'mal tatada'af mudha'afat ajib. Ajiba. La hadda laha bihisab ma qama fi qalbi al-amil. Alors il nous dit, cette lourdeur a une cause qui est indiquée, qui nous indique que l'œuvre est multipliée par une étonnante multiplication qui n'a pas de limite. Pas de limite. Et elle se fait en fonction du cœur de celui qui œuvre, de ce qu'il y a dans le cœur de celui qui œuvre. ولهذا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما حتى في قوله لا إله إلا الله. Donc le cheikh il nous dit, et pour cela les gens se démarquent les uns des autres, c'est-à-dire sont différents les uns des autres, immensément différents, et même jusqu'à la parole, hein, jusqu'à dans le fait de dire La ilaha illallah. Bihisab maqama fi qalbi al-amil. Alors cela est en fonction, hein, de ce qui se passe dans le cœur de celui qui œuvre. Walihada yatafawwat an-nas tafawwutan 'aziman hatta fi qawli la ilaha illallah. Hunak man yaqulaha mukhlishan sadiqan min qalbi mustayfi. Na'am. Mustawfiyan shurutaha. Alors le cheikh nous dit, les gens, hein, ils se démarquent les uns des autres, hein, par rapport à la ilaha illallah, mais immensément, il y a une grande différence, une différence immense les uns des autres dans la prononciation, dans le na'am, dans le fait de dire la ilaha illallah. Il y en a qui disent la ilaha illallah avec sincérité, véracité, venant du cœur et en ayant rempli toutes les conditions. Toutes les conditions. Donc, petite faïda, entre parenthèses, je fais une parenthèse. Celui qui ne connaît pas les conditions, comment peut-il les remplir? Donc je vous enjoins à revenir à un cours que je fais dans Qawl Mufid, à l'Adillati Tawhid, et là nous en sommes aux conditions de la ilaha illallah. Tayyib. Et il y a d'autres gens qui disent la ilaha illallah et ils font des choses qui viennent annuler ce la ilaha, qui viennent annuler la perfection de ce la ilaha illallah. Il y a d'autres gens qui disent des choses, qui disent la ilaha illallah, et qui font des choses qui viennent annuler la base, le fondement de la ilaha illallah. Wa hunak man yaqulaha bi lisani wa lam yaqum bi qalbihi shay'. Donc il y a des gens aussi qui disent la ilaha illallah avec la langue, et le cœur est dépourvu, hein, il n'y a rien dans le cœur, de la concrétisation de la ilaha illallah, comme cela est le cas des hypocrites, ceux qui disent la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah avec la langue. Il a déjà donc la preuve dans le Coran. قال الله تعالى إذا قال إذا جاءك المنافقون. Lorsque viennent à toi les hypocrites, qalu nashhadu innaka la rasulullah, nous témoignons que tu es certes le messager d'Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, na'am, et certes Allah sait que tu es son messager, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibin, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورة المنافقون verset 1. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. Et bien entendu, Sourate al-Baqara, verset 14, encore une preuve. Et lorsque disent ceux qui ont cru, wa idha laqul ladhina amanu, et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous avons cru. Et lorsqu'ils se trouvent seuls avec les shayatins, les shaitans, hein, les diables, ils disent nous sommes avec vous, nous nous moquions d'eux. Traduction approximative. Qawluhum amanna hadha bil-lisan. Et lorsqu'ils disent nous avons cru dans le verset, les hypocrites. Cheikh Abd al-Razak nous dit, ils le disent avec la langue, وَلَمْ يَقُمْ فِي الْقَلْبِ شَيْءٍ, mais dans le cœur, il n'y a rien du tout. مِنْ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ, de concrétisation, hein, de la foi. Dans leur cœur, il n'y a rien en ce qui concerne la concrétisation de la foi. فَإِذَنْ بَبْ التَّضْعِفْ لِأَضْعَفْ لَا حَدَّ لَهَا لَا حَدَّ لَهَا عَائِدْ لِمَنْ قَامَ فِي قَلْبِ فِي الْقُلُوبِ. Donc, ensuite, le Cheikh, il nous dit, alors, la rubrique, le chapitre, l'affaire de la multiplication n'a aucune limite. Celle-ci se rapporte, revient, se rapporte à ce qu'il y a dans le cœur. À ce qu'il y a dans le cœur. Fatakun surat al-amal wahida. Donc, l'œuvre ne fait qu'une. Il se peut que l'œuvre n'est qu'une. L'action n'est qu'une. Al-ruku' ou al-ruku'. Le Cheikh, Cheikh Abd al-Razak al-Badr, nous dit l'inclinaison, c'est l'inclinaison. Le sujoud ou al-sujoud ou al-sujoud. La prosternation, c'est la prosternation. Et le temps de l'œuvre, c'est le temps de l'œuvre. Lakin bayn al-amalayn. Mais entre les deux protagonistes, hein, les deux personnes qui font l'œuvre, il y a une immense différence, un immense démarquage. Bihisab ma qama fi qalbi min al-ikhlas wa as-sidq wa ghayri dhalika min haqa'iq al-iman. Alors il nous dit le shir, mais il y a une immense différence en fonction de ce qu'il y a dans le cœur de sincérité et de véracité et toute autre chose de concrétisation de la foi, allati takunu fi qulubil mu'minin, celle hein, qui est dans le cœur des croyants. Et le shir ajoute à cela et également ce qu'il y a du suivi, en fonction aussi du suivi, mutaba'ati ar-rasul alayhi salatu wa salam, le suivi du prophète, de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. قليل من العمل يقوم به العبد موافقا به السنة خير من كثير من العمل لا أصل له ولا أساس في شرع الله. Alors, regardez ce que nous dit Cheikh Abd al-Razak al-Badr. Peu d'œuvres du serviteur, venant du serviteur, en conformité avec la sunna, la tradition prophétique, est meilleur que beaucoup d'œuvres qui n'ont aucune base, aucun fondement dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال السلف رحمهم الله قديما اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة في بدعة. Alors, c'est pour ça que les savants nous disent, plutôt les salafs, les pieux prédécesseurs, hein, les prédécesseurs qui nous ont précédés, les salafs, qu'Allah leur fasse miséricorde, Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit. Alors, il a été dit, les prédécesseurs anciens nous disent, hein, nous ont dit, alors, peu d'œuvres dans la sunna, c'est-à-dire chercher vraiment à faire des œuvres en conformité dans la sunna, peu d'œuvres dans la sunna sont meilleurs, sont meilleurs en bien
que de faire des efforts dans l'innovation. Traduction approximative, hein, que de faire des efforts, hein, que de combattre dans l'innovation, c'est-à-dire plutôt de faire de grands efforts dans l'innovation. Donc, le cheikh nous dit cela se fait chez les gens de la Sunna qui font le peu d'œuvres, hein, peu, qalil, hein, wa yassir tawafiq fihi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein, mais il se conforme à la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, khayr min layali wa ayam yaqdiha al-insan fi a'mal la asla laha. Donc il nous dit, cela est préférable, hein, cela est préférable de faire peu d'œuvres, mais en conformité avec la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, cela est préférable que passer des nuits à faire des nuits et des jours et des nuits, à faire des œuvres qui n'ont aucune base dans la guidée du prophète alayhi salatu wassalam, wa qad qala Allahu ta'ala naam. Imma li faqd al-ikhlas. Donc naam. Traduction approximative dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je recherche rapidement la traduction. Naam. Alors, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au jour de la résurrection, nous placerons et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. L'effort de cela sera reconnu. Alors nous avons la parole, nous avons un dalil, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, bien entendu, en ce qui concerne ceux qui font des œuvres, des efforts dans les œuvres, mais qui ne sont pas en conformité et que ces œuvres sont rejetées, ce ne sont pas les dalils qui manquent. Men amala, donc le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, rapporté par Aisha radiallahu anha, men amala amalan laysa alayhi amrona, fahuwa radd, et celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre œuvre, hein, qui ne fait pas partie de nous, sera rejeté. Donc le cheikh il nous dit nous donc à partir de ça, hein, à ce moment-là, les œuvres se démarquent, hein, sont différentes par rapport à l'acceptation ou le rejet. Ou bien elles sont acceptées, ou bien elles sont rejetées. Donc j'ai retrouvé la parole, alhamdoulillah. Il y avait un verset donc je voulais pas m'amuser à traduire tout seul. C'est la sourate 18, bien entendu, sourate Kahf, verset 103. Ceci est aussi une preuve, hein. Ceci est aussi une preuve. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Alors, Cheikh Abdelrazak, après ce verset, il nous dit ou bien parce qu'ils sont dépourvus de sincérité, ou bien ils sont dépourvus de suivi du prophète, conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Taïb. Ensuite, nous dit-on. Le cheikh nous dit, donc bien entendu, les œuvres, on reprend, les œuvres, hein, les personnes par rapport aux œuvres sont différentes les uns des autres, ou bien elles sont rejetées, ou bien elles sont acceptées. Également, le cheikh nous dit, les gens sont différents des autres aussi dans la multiplication des œuvres, et dans le salaire et dans la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et retenez bien ça, c'est super important, bihisab at-tawfiq, qu'on l'a déjà dit, hein, en fonction de la réussite qu'Allah accorde. Hein. Lil ittiba, hein, la réussite dans quoi? Dans le suivi
L'iqtida, c'est on prendre comme exemple, et bien entendu, c'est le prophète alayhi salam. Ou l'ihtida, la guider, la réussite dans le suivi, dans le fait de prendre pour exemple, dans la guider, bihadi rasoul, dans la guider, celle du prophète alayhi salatu wa salam. وقال رحمه الله فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة هذا قيد لاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان من الأعمال المشروعة أي ثبت فيه هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وقصد العبد به رضا ربي وثواب أي أخلص فيه وابتاع العمل وجه الله. Donc là c'est la même chose. Le shir également il vient nous confirmer, nous éclaircir, nous clarifier que les œuvres doivent être en conformité, hein, les œuvres doivent être en conformité avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. On a dit précédemment que ce sont les deux conditions d'acceptation des œuvres du musulman. C'est quoi? C'est quelles sont-elles? La sincérité et la conformité. Al-ikhlas wa l'ittiba'. Tayyib, ou al-muwafaqat as-sunnah. Sunnat al-rasul alayhi salatu wassalam. Donc lorsque la personne, c'est-à-dire que lorsque la personne aura fait une œuvre avec sincérité tout en recherchant la face, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette œuvre, alors il aura, sa récompense sera multipliée. On l'a dit précédemment déjà, « Hadayakum bihadha al-amal na'am ». Alors, on nous donne un exemple ici. Quelle est la cause à la multiplication? On parle de sincérité toujours, hein. Quelle est la cause de multiplication de la récompense? On vous donne un exemple ici. Yakhruj, il sort de sa maison et il n'a aucun autre but que le visage d'Allah, c'est-à-dire il recherche la récompense d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, il recherche la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le shirk nous apporte un verset à cela, un verset comme dalil, comme preuve, qui est وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Sourate al-Isra, verset 19. Alors, et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Alors, Cheikh Abd al-Razak, juste après le verset, il nous dit, c'est-à-dire celui qui veut, ou ceux qui veulent, hein, l'au-delà. Arad al-Akhira. Donc, bien entendu, on voit bien que ici, ce qui est demandé, ceci est un dalil aussi pour la sincérité, pour la sincérité. Lorsque dans le verset Waman arad al akhira est celui qui veut l'au-delà, Cheikh nous dit, c'est-à-dire celui qui veut l'au-delà, c'est-à-dire ça c'est la preuve de la sincérité. Ça c'est la preuve de la pour la sincérité dans le verset et dans le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, et qui fournissent les efforts qui y mènent, c'est-à-dire le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa huwa alladhi ja'a bihi nabiyyina alayhi salatu wassalam, wa al-a'mal allati thabatat anhu alayhi salatu wassalam, wa arada al-akhira mukhlisan sa'ala sa'yan muttabi'an muhtadiyan bihadiyat al-rasul alayhi salatu wassalam. Donc comme on vient de le dire. وقام ذلك على الإيمان فأولئك كان سعيهم مشكورا أي أولئك هم الذين يشكر الله عملهم ويقبل طاعتهم ويثبتهم على عظيم الثواب. طيب قال بأن يجعله هو الداعي له
إلى العمل هو الغاية لعمله. تأمل يجعل الإخلاص والموافقة في هدية النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهجه هو الداعي للعمل. طيب donc encore la même chose hein. Lorsque on fait les œuvres, on fait les œuvres toujours avec toujours on les fait avec sincérité pour qu'elles soient acceptées et avec le suivi du prophète, c'est-à-dire suivre ses traces, suivre sa voie hein. C'est ça le but de l'œuvre, c'est ça le but de l'œuvre. C'est rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وذكر رحمه الله في كتابه تفسير عند تفسير لهذه الآية قال. Ensuite, il nous ramène encore un verset. Il nous rapporte, قال مبينا معنى الآيات. Il nous rapporte encore un verset, Cheikh Abd al-Razak al-Badr, pour venir encore renforcer cette explication. Il nous dit, le sens est, قال مبينا معنى الآيات, pour venir appuyer le sens du verset, إنما يتقبل الله من المتقين. Alors, Sourate Al-Ma'ida, verset 27. Et certes, Allah n'agrée, accepte que des pieux. Nah. Donc ce verset, قَالَ مُبَيِّنًا مَعْنَى الْآيَةِ أَيْ الْمُتَّقِينَ لِلَّهِ فِي عَمَالِهِمْ. Donc, Cheikh Abd al-Razak, il nous dit, en éclaircissement à ce verset, c'est-à-dire que ceux qui ont la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans les œuvres, c'est ceux qui concrétisent la sincérité et le suivi du prophète. Et le suivi du prophète. Wa dhakara rahimahullah ta'ala fi kitabi tafsir inda tafsiri hadhihi al-ayat. Et il a mentionné, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc Cheikh Nasser al-Sa'di, a mentionné dans son livre de l'explication de l'exégèse de ce verset anna hadha bi ijma' ahli al-'ilm fi ma'na hadhihi al-ayat, qu'il y a le consensus des gens de science, des savants, que le sens de ce verset, c'est-à-dire innama yataqabbal Allah min al-muttaqin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée innama yataqabbal Allah min al-muttaqin, Allah agrée que des pieux. Naam. Donc, il nous dit l'explication de ce verset. إنما يتقبل الله من المتقين ما المراد بالمتقين الذين يتقبل الله. Alors qu'est-ce qui est voulu hein, par les pieux hein, ceux dont Allah ceux que Allah agrée subhanahu wa ta'ala منهم أعمالهم أي الذين اتقوا في العمل. Donc le Cheikh de Razak il nous dit c'est ceux qui ont fait des œuvres avec piété, avec crainte hein, avec la piété. وكيف تكون تقواهم في العمل. Et comment fut cette piété? Takun taqwahum fil amal bi an yaqa khalisan lillah. Donc leur piété, c'est que dans leurs œuvres, hein, ils les ont faites avec la sincérité envers Allah wa an yakun muwafiqan et en conformité à la sunna du prophète Ali salat wa salam pardon. Hadi haqiqat taqwa. Taqwallah fil amal. Donc ça, c'est la concrétisation hein, de la piété dans les œuvres. An yakun khalisan lillah, c'est qu'elle soit œuvrée avec sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. La yurid riya'an, donc que la personne ne cherche pas d'ostentation. Wala sum'a, donc sum'a, c'est aussi une forme autre forme d'ostentation. Wala hatam dunya, hein, et rien en ce qui concerne le bas monde, voilà ghayri dhalik min al-maqasid, et rien d'autre que la personne ne vise rien d'autre, bel yurid bihi wajhullah, mais que la personne
Elle vise le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa thawaba wa ajra, le salaire d'Allah et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada min tahqiq at-taqwa. Donc ça fait partie de la concrétisation de la piété envers Allah dans les œuvres. Wa min tahqiq at-taqwa, taqwa Allah fil 'amal an yakun al-'amal muwafiqan li hadiyat ar-rasul. Donc et fait partie de la concrétisation de la piété que l'œuvre soit en conformité avec la guidée du prophète alayhi salatu wassalam mutabiqan li sunnati ar-rasul alayhi salatu wassalam, tout en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Faman ittaqallah fi 'amalihi فجاء والعمل خالصا للمعبود موافقا لهدية الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل الله منه. Donc celui qui vient tout en craignant Allah dans son œuvre et en étant sincère envers l'adoré et en étant en conformité avec la guidée dans la guidée du prophète, la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, Allah l'agrée. إنما يتقبل الله من المتقين. وقد قال طلق ابن حبيب. Donc طلق ابن حبيب a dit, donc vous verrez surat al-Ma'ida verset 27, et Allah n'accepte que des pieux. Donc Cheikh Abdel Razak al-Badr continue après ce verset, il nous dit et طلق ابن حبيب nous a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, fi ta'rifihi littaqwa, dans sa définition de la piété, huwa kama akhbara ghayr wahid min ahli al-ilm, et comme plus d'un parmi les gens de science nous en a informé, ajma' at-ta'rif, qila fi at-taqwa, donc c'est celui qui est le plus complet, dans la définition la plus complète en ce qui concerne, qui réunit tout ce qui concerne la piété dans une définition. Qala rahimahullah, donc il nous a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc la définition de la taqwa, c'est bien de la prendre par cœur. Taqwa Allah, an ta'amala bi ta'atillah, ala nur min Allah, raja'u thawabullah. وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. Alors, en français, la taqwa, la piété, c'est que tu obéisses à Allah en te basant sur une lumière de la part d'Allah, espérant la récompense d'Allah, et que tu délaisses la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière de la part d'Allah, craignant le châtiment d'Allah. Ça, c'est la définition de la piété. Définition de la piété. فَلُنَبِّهْ عَلَىٰ أَمْرَيْنَ الَّذِينَ يَتَحَقَّقَ بِهِمَ التَّقْوَى فِي الْعَمَلِ. Donc, nous portons attention, Cheikh Abdel Razak al-Badr nous dit, nous portons attention à deux choses. Celles qui viennent concrétiser, celles qui par lesquelles se concrétise la piété dans les œuvres. Al-mutaba'a fi qawlihi, le suivi du prophète alayhi salatu salam, dans la parole, ala nur, sur une lumière, ala nur, en se basant sur une lumière, wal ikhlas, et la sincérité lorsqu'il est dit, la sincérité ar-raja athawab, tout en espérant la récompense d'Allah, tout en espérant la récompense d'Allah, et en ayant peur, en craignant le châtiment d'Allah. Ça c'est al-ikhlas, wa huwa ya'mal lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, elle œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, yarju sawabu wa yakhaf 'iqab, c'est-à-dire que la personne œuvre en espérant la récompense d'Allah et en ayant peur de son châtiment. Donc ceci est la réelle, c'est ça la concrétisation, mais c'est ça la réalité, la véritable taqwa, c'est-à-dire la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala fil a'mal, dans les œuvres. Allati la tataqabbal, non, la taqbal, pardon, la taqbal, al-a'mal illa bihi. Sans celle-ci, les œuvres ne sont pas acceptées. Les œuvres ne peuvent être acceptées que par cette taqwa, cette piété.
Takun al-a'mal khalisa lillah, c'est-à-dire que les œuvres soient sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, wa an takun sawaban, et qu'elles soient en conformité avec la guidée du prophète alayhi salatu salam. Idha iftaqada al-amal wal ikhlas ou iftaqada al-mutaba'a lam yuqbal wa iftaqadahuma ma'an. Donc, lorsque la sincérité, l'œuvre est dépourvue de sincérité, hop, elle est nulle, elle n'est pas acceptée. Et lorsqu'elle est dépourvue du suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, elle n'est pas acceptée. Et si elle est dépourvue des deux, de la sincérité et du suivi du prophète, la conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, l'œuvre n'est pas acceptée. Wa fi hadha, donc c'est très important, hein. Le cheikh, il en a fait carrément un cours sur les deux conditions d'acceptation des œuvres. Tout simplement parce que cela est primordial, cela est important. On fait des œuvres, mais si on ne sait pas quelles sont les conditions qui font qu'elles sont acceptées ou qu'elles sont rejetées, alors on a beaucoup de risques que nos œuvres ne soient pas en conformité ou qu'elles ne soient pas sincères. وفي هذا يعلم أن أقسام الناس أن أقسام الناس في هذا الباب أربعة. Donc le cheikh nous dit, et par rapport à cela, on prend conscience, on prend connaissance que les gens se divisent en quatre catégories. Par rapport à ce qu'on a expliqué précédemment, les gens se divisent en quatre catégories. La première catégorie, ce sont les gens de la sincérité et du suivi, de la conformité. وهم وحدهم الذين تقبل أعمالهم. Donc ceux-là, ce sont les gens dont les œuvres, hein, les seuls gens dont les œuvres sont acceptées. Alors, ils ont rempli la sincérité et la conformité, le suivi du prophète. Deuxième catégorie de gens, ikhlas bila mutaba'a. Sincérité, ils ont la sincérité, mais ils n'ont pas la conformité à la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est rejeté. Troisième catégorie, mutaba'at bila ikhlas. Donc c'est le suivi du prophète, ceux qui font des œuvres selon le suivi du prophète, mais qui n'ont aucune sincérité. Rejeté aussi. Qismur rabi'a, la quatrième catégorie de la subdivision. Ceux qui n'ont pas de la ikhlas wa la mutaba'a. Ceux qui n'ont pas de sincérité dans les œuvres et qui n'ont pas non plus de suivi de conformité. Wa thulatha al-akhira thani wa thulatha war-rabi'a kulluhum la taqbal a'malahum. La taqbal a'malahum. Donc, le 2, le 3 et le 4 dans la subdivision, hein, deuxième catégorie, troisième catégorie et quatrième catégorie, leurs œuvres ne sont pas acceptées. Man akhlasa wa lam yattabi' wa lam yaqbal. Lam yaqbal. Les qawli alayhi salatu wassalam. Donc, celui qui n'est pas sincère, celui qui est sincère, mais qui n'aura pas suivi la conformité au prophète alayhi salatu wassalam, son œuvre sera rejetée, selon le hadith que nous avons cité précédemment. Man amala amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui œuvre d'une œuvre, qui fait une action dans notre œuvre qui n'est pas, fait pas partie de nous, hein, fait pas partie de notre ordre, cela est rejeté. Waman tabi'a walam yukhlis. Donc celui qui est en conformité, mais qui n'a pas la sincérité, cela n'est pas accepté non plus. Cela n'est pas accepté. Celui qui est en conformité, mais avec la sunna du prophète, mais qui n'a pas la sincérité, l'œuvre est rejetée. La parole d'Allah dans un hadith qudsi, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit, Ana aghna shuraka. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui aura fait une œuvre où il m'associe quoi que ce soit, son œuvre fi ghayrihi, qui m'associe quoi que ce soit, autre chose, je le délaisse lui et son polythéisme. Donc celui qui n'a pas la sincérité, ensuite voilà point. Ensuite, celui qui n'a pas la sincérité et qui n'a pas le suivi du prophète, son œuvre non plus n'est pas acceptée. Donc les seules œuvres, le cheikh nous dit, qui sont acceptées, ce sont les œuvres des pieux, qui sont sincères dans leur religion avec Allah, le Très-Haut. Et qui ont suivi la sunna du prophète, la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam. Non.
Donc, Inch'Allah Ta'ala, Al-Yaoum, aujourd'hui, on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Et nous donnerons la suite, Inch'Allah, très prochainement, pour la suite de ce cours très très utile, et très très profitable, et très très primordial, qui peut être une cause de l'entrée au paradis. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.